Bonjour, aujourd'hui je voudrais que vous vous immergiez dans un reportage qui m'a fait faire 4 fois le tour du monde, en même pas 3 semaines. En effet, en avril 1993, je suis contacté par un homme qui se dit de la résistance vietnamienne contre le communisme. Le mouvement de résistance qu'il dit représenter aurait, en mars 1993, fait une série d'attentats à Saigon, maintenant appelé Ho Chi Minh-ville. J'ai lu quelques articles là-dessus, quelques dépêches, qui font état de troubles dans l'ancienne capitale du Sud-Vietnam, qui est maintenant sous la botte communiste. Des procès sont annoncés, car 100 de personnes ont été emprisonnées, dont 18 Viet Q, des Vietnamiens de l'étranger, dont 2 Français. Ils risquent, au mieux, la peine de mort, et au pire, le goulag dans les très bonnes traditions marxistes. Moi, je suis partant pour un reportage. Nous sommes 2 sur le coup. Moi et un stagiaire qui va m'aider dans ce tournage car je sors à peine de convalescence. J'ai été blessé aux mains très grièvement lors d'un reportage que j'avais effectué sur le crack Place Stalingrad à Paris. J'essaye d'avoir des précisions sur ces actes de résistance. J'appelle l'ambassade du Vietnam communiste. En vain, nous tenterons d'obtenir un interview de l'ambassadeur du Vietnam à Paris. En désespoir de cause, nous enregistrons cette communication avec l'ambassade. Personnellement, je pense que c'est une tentative de créer des explosions. Des terroristes. Vous voulez bien créer de terreur dans la ville et... Ce sont des étrangers d'origine vietnamienne, hein, oui. Ils sont actuellement en prison à Automobile. Et qu'est-ce que vous comptez faire de ces gens-là, puisqu'ils sont étrangers? Bon, je vais essayer de parler à monsieur le conseiller pour vous mettre en contact avec lui. Hein. Allô? Nous exprimons le point de vue officiel du Vietnam sur tel ou tel événement. Vous voyez? Je vous dis que tout se passe bien au Vietnam, voilà. Disons les autres informations qui disent ceci, qui disent cela, ce sont de fausses informations. Direction Hong Kong. Hong Kong. Derrière toute cette opération, il y a une organisation politique. La coalition des partis nationaux vietnamiens, le CVNP. Le président de ce mouvement d'opposition au régime de Hanoï a accepté de nous recevoir, mais sous certaines conditions que nous détaille M. Yep. Je vous demande, quand qu'on va y aller, de ne pas fumer l'extérieur pour des problèmes de sécurité propres à sa personne. C'est en dehors de Hong Kong ? Pardon ? C'est en dehors de Hong Kong ? C'est en dehors de Hong Kong. Pas moins de 5 gardes du corps sont attachés à la protection personnelle de ce président qui se fait appeler Huang Viet Quang. Ancien directeur de l'Institut de recherche asiatique de Toronto, il a un autre pseudonyme, très britannique, Stevenson. Nous ne connaissons pas son vrai nom. Il est à Hong Kong, dans son PC provisoire. La base, le siège de son organisation, est à Toronto. La résistance armée du CVNP a combattu dans les maquis du Cambodge durant les années 80. Lorsque les membres de l'organisation retournent au Vietnam, ils le font sous la casquette de touristes ou d'hommes d'affaires. En mars 1993, mon organisation a voulu dire au monde entier et au peuple du Vietnam que nous ne pouvons plus, que nous ne pouvions accepter que les communistes maintiennent la dictature. Alors nous avons été conduits à faire des manifestations
et les communistes ont déployé les tanks. Uprising from within Vietnam, and then the communist troops had deployed the tanks. Une opération a été tentée à partir de Manille pour larguer des tracts anticommunistes au-dessus de Saigon pour essayer de dénoncer l'arbitraire de ces procès qui vont s'ouvrir. Manille, c'est d'ici que devait partir la première phase d'un soulèvement populaire programmé pour la nuit du 6 au 7 mars dernier. 4 millions de tracts devaient être largués d'un DC-4 au-dessus d'Ho Chi Minh-ville. Les tracts n'ont jamais quitté leur carton, ils sont restés ici, à Manille, dans une maison sous surveillance. C'est bien les tracts que... Oui, ce sont des tracts qu'on devrait, ça devrait larguer le soir du 6 au 7 sur le Vietnam. Appel au soulèvement du peuple vietnamien contre le régime. This is the DC-4, this is the one. L'avion ne s'est pas envolé pour le Vietnam. L'autorisation de décoller a été refusée au dernier moment par les autorités philippines. Monsieur Bui, comme les autres membres de l'opposition qui se sont rendus au Vietnam, a été arrêté sur dénonciation à la veille du jour J. Infiltré de longue date par le Parti communiste, ce réseau de résistance a été balancé alors que la mise en place de l'opération avait commencé. Aujourd'hui, les résistants n'abandonnent pas la partie et préparent un autre plan de vol pour le largage des mêmes tracts. Une nouvelle arrive. À des prisonniers de nationalité canadienne a peut-être réussi à s'enfuir. Il aurait traversé la frontière entre le Vietnam et le Cambodge. Moi, je fonce à Phnom Penh. Alors, il faut que je fasse un stop à Bangkok, où je reste dans la zone internationale, parce que j'ai vraiment peur de me faire réexpulser par les Thaïs, qui m'ont déjà mis en tôle 3 fois ces dernières années. Arrivé à Phnom Penh. La capitale cambodgienne est en pleine effervescence. Monsieur Bui est donc arrivé ici à Phnom Penh en pleine campagne électorale. Dans la capitale cambodgienne, la peur des attaques Khmer Rouge monopolise toutes les attentions et les services de police ne contrôlent pas ce Vietnamien sans papier. Monsieur Bui s'adresse à l'ONU, les casques bleus le prennent sous leur protection. Un officier norvégien l'emmène à l'abri au poste de police du district numéro 1. Selon les dires de l'officier Bakken, Bui est alors épuisé, apeuré, il se sent toujours menacé. Il est persuadé que les services de renseignement vietnamiens sont très bien implantés au Cambodge. Le 8 mai au soir, Bakken prend contact avec le chargé d'affaires canadien qui prend les choses en main. Au Canada, la directrice de cabinet du ministre de l'Immigration fait alors le nécessaire pour rapatrier M. Bui. Raté. Je peux pas le voir. Il va être mis dans un avion pour le Canada sous protection. Une seule solution pour moi, le devancer et aller à Toronto via la voie la plus rapide par le Japon. Arrivé à Toronto, je suis complètement crevé. Cela fait maintenant plusieurs jours que je suis en complet jet lag. Mon contact parisien de la résistance m'attend là-bas. Nous allons peut-être pouvoir voir cet homme. Quelques heures plus tard, il est là. Il est accueilli par le coordinateur du mouvement d'opposition qui a revendiqué l'opération du mois de mars au Vietnam. Monsieur Bui, fatigué et légèrement vêtu, a atterri un soir à Montréal après un long périple entre le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande et le Canada. Je viens de m'enfuir de Kiminville. Tank dans la rue et arrestation en série, telle fut la réponse du régime de Hanoï à la tentative d'insurrection du mois de mars au Vietnam. À Montréal, le 18 mai, l'évadé canadien témoigne. J'avais des explosifs quand ils m'ont arrêté. Vous êtes resté longtemps en prison ? 3 mois. Ensuite, j'ai été envoyé à l'hôpital, car j'étais absolument à bout de force. Là, j'ai été en contact avec des résistants qui m'ont permis de m'enfuir vers le Cambodge grâce à des passeurs.
j'ai pu enfin rejoindre Phnom Penh. He introduced for me one guy. Yeah. He do the business from Vietnam to Cambodia. So this guy, he sent me to the border. Mais que sont devenus les autres condamnés du procès de Saigon? Dénouement heureux pour M. Bui. Il est libre. D'autres n'ont pas cette chance. Parmi les prisonniers, il y a 2 Allemands, 11 Américains, 2 Français et 3 Canadiens. Ont-ils eu une défense convenable? Tandis que les familles implorent Bouddha, l'avocat du CVNP réclame des informations et en particulier les chefs d'accusation exacts à l'encontre de chacun de ses clients. Le gouvernement vietnamien, la police vietnamienne ne dit rien au sujet de mes clients. Y a-t-il des photos? Y a-t-il des évidences? Je ne peux pas parler avec mes clients. Le gouvernement canadien ne peut pas parler avec les citoyens canadiens. Le gouvernement américain ne peut pas parler avec eux. Il y a 2 Français là dans les prisons. Je ne sais pas s'ils sont vifs, s'ils sont morts, je ne sais pas. Mais on m'a dit, ah, il y a des armes. Où sont les armes? Où sont les clients? Où est-ce tout ça? Je suis l'avocat, j'ai besoin des faits. Bon. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé ce récit. N'oubliez pas le pouce, comme d'habitude. Et puis, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous. Au revoir, à bientôt. Thank you.